Entonces me decía tu cuenta de unos papeles. ¿Qué es lo que me decía de unos papeles? No, pero no, ya antes te dicen a ti todos los papeles, la gente que me dice papeles, porque 50 veces yo te dicen a ti, usted me va a ayudar con los papeles, ya. ¿A dónde va con ese sol caliente? En honor a Bartolomé Farfán. Usted no ve que ahora se está haciendo ese parque, pero no le han podido vender a tumbarla. Una vez que se enteró en la radio, en la televisión, que estaba abierto este plan, ¿qué fue lo que te hizo? Yo he ido allá. Esta mano a la izquierda. Es el capitalismo internacional, el imperialismo internacional, que crearon inversiones importantes en Cuba, y en la República Dominicana, y utilizaron la mina uribraicana, y utilizaron la mina uribraicana. Ciudadanos haitianos que acuden a la embajada de Haití en República Dominicana en procura de alguna documentación para poder aplicar al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros se quejan por la falta de respuesta de parte de las autoridades haitianas radicadas en el país. Hasta este centro. Yo lo que no estoy de acuerdo es de que se quiera violentar las leyes de migración. Dije, había una queja del primer ministro haitiano sobre el proceso de repatriación, pero la repatriación no ha comenzado. Pea, pea. ¿Qué pasó con Haití? ¿Tú puedes estar con la mlib, mal na maché, un van, una mina que maché, un pa van, una mina que maché, fue na maché? Un mal Haití, en verdad. Se puede recomenzar un país, recomenzar en Haití, recomenzar la relación. Habiéndose hermanito compartiendo un pedacito porque era muy pobrecito y no tenía ni mamá. Ellos se preguntaban por qué si somos dos gente no se hacen comernos uno nada más. Su país se la buscaba trepado en una patana repartiendo plátano y pata y trompa. Y cuando los dos niños entraban a la mordida, el papá le decía la verdad. Agárrense de ahí que no hay maná. Pónganse a jugar o la corre voy a sacar. Uno por adelante y el otro por atrás. Dios me lo mandó un tico, pero ustedes nada de nada. Dáselo dos,
Lucas Inés qui vous parle et qui partagera avec vous à travers cette émission spéciale dédiée à deux peuples latino-américains. Je vous parle de la problématique entre la frontière d'Haïti et République dominicaine. Pour ça, j'ai eu le grand plaisir d'avoir comme invité à Rocío Barba et Jean-Jean. Cet entretien, il était réalisé il y a quelques heures en direct depuis République dominicaine. Je vous ramène dans une réalité très très forte. El día de hoy estamos abriendo esta emisión con un tema que les traigo. Acabo de tener una entrevista desde República Dominicana hace unas horas por la diferencia de horarios. Esta vez quiero traerles lo que está pasando en la frontera entre Haití y República Dominicana. Les hablo de esta crisis que muy silenciosamente se ha quedado guardada entre los textos de medios de prensa de internet. Y quién mejor que sea Rocío Barba, una activista muy comprometida con su labor hacia los pueblos latinoamericanos, y Jean-Jean, a su lado, quien es actor, realizador y productor de este documental que se llama Si Dios Quiere, Julie. Jean-Jean, está latente en él su forma de ver la vida, es su manera de actuar detrás y enfrente de las cámaras. Jean-Jean, como les he mencionado, es un actor dominicano de ascendencia haitiana que va ganando espacio en esta industria muy, muy peleada. Actor y director que desnuda su alma y hoy nos revela, junto a Rocío Barba, su fuente de inspiración para hacer este documental. Por este fuerte análisis en materia de derechos humanos, ha sido también galardonado con el Premio de Amnistía Internacional de Derechos Humanos en el Festival de Trinidad y Tobago, tras su paso por varias muestras internacionales y tras haber recibido el reconocimiento de mejor documental en festivales como el de Trinidad y Tobago y el de Caribbean Tiles International Film Festival en Toronto. El documental Si Dios Quiere, Julie, Si Bon Dieu Veut, Julie, es un acercamiento intimista y personal de la inmigración haitiana en República Dominicana a través de la historia de la propia madre del realizador, Julie. Producido con el apoyo financiero del proyecto Sparring Partners y de la Fundación Focal en Haití, se enmarca en el contexto del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros que se desarrolló en el país el pasado año, el cual el mismo Jean-Jean y su madre se acogieron. Merci d'être avec nous en direct depuis République Dominicaine et partager avec l'audience ces sensibles thèmes. Bonjour Olga. En premier, j'aimerais mieux parler de mon expérience personnelle et que c'est la cause pour laquelle on a fait les films. Alors, ma mère, elle a plus de 35 ans, qu'elle habite ici en République Dominicaine. Et en 2014, elle a commencé à suivre un plan national de régularisation d'étrangers. Et nous, on avait toujours l'idée de faire un film avec ma mère parce qu'elle montrait sa lutte
comment elle a réussi à s'adapter à la communauté dominicaine et comment elle a lutté pour vivre une vie de, en dignité. Alors, à ce moment qu'elle a commencé à suivre les plans, on a décidé d'inclure ce moment dans les films pour parler un peu sur le processus qu'elle était en train de suivre. Alors, peut-être Rocío pouvait parler un peu de ce contexte politique dans lequel elle a suivi cette plan, parce que ça vient à répondre en sentence que le tribunal constitutionnel dominicain a mis en place en 2013 et que c'est à partir d'ici que ça a généré un gros débat à tout un niveau international comme au niveau national, et le gouvernement a pris la décision de mettre en place ce plan que ma mère a suivi. Alors, le documentaire, ça parle de la vie de ma mère et comment elle suivait le plan national de régularisation. Il faut aller un peu à l'arrière parce que bon, Olga, tu as parlé sur la consultation pour Haïti, que c'est une coalition des organismes au Québec. Oui, c'est ça. C'était au niveau international qu'il y a eu toute une réaction vers cette décision de la Cour constitutionnelle dominicaine qui a été émise en 2013, le 23 septembre 2013, et qui vient donner une réponse judiciaire pratique qui était déjà habituelle au niveau des institutions et politiques ici en République dominicaine. Donc la Cour constitutionnelle en 2013 a dit que tous les fils et filles des immigrants sans papier en République dominicaine n'ont pas les droits à la citoyenneté dominicaine depuis 1929. Donc la conséquence, c'est que des personnes qui avaient déjà la citoyenneté, on parle des gens qui ont vécu ici, qui sont nés ici depuis 1929, ont perdu la citoyenneté dominicaine, ont perdu la nationalité, ont resté comme des apatrides. Mais aussi que les gens qui ont les enfants qui naissent à partir de ce moment sont aussi, n'ont pas les droits à la citoyenneté. Donc ça a provoqué la dénationalisation, on dit ici à République dominicaine, dénationalisation des milliers de personnes. Et après ça, bon, il y a eu toute une réaction au niveau international, pas seulement des organismes de coopération internationale ou de défense des droits humains, mais aussi des organismes internationaux comme la OEA, Organisation des États américains, le CARICOM aussi, que c'est le groupe des pays du Caraïbe. Donc c'était toute une réaction parce que c'est vraiment une violation des droits humains, laisser des milliers de personnes comme des apatrides. Après ça, le gouvernement dominicain a décidé de mettre en place le plan national de régularisation, que c'est sur ça que Jean parle, qui vient d'une réponse pour régler la situation que la sentence, la décision de la Cour a laissé. Mais il faut faire attention parce que ce n'est pas la même chose la régularisation des étrangers, c'est-à-dire des personnes qui ont des immigrants qui ont un précaire statut migratoire. Mais il y a les personnes qui ont perdu sa citoyenneté, ce n'est pas le même cas et ce n'est pas le même processus non plus. Donc les gens qui ont perdu la citoyenneté avaient l'opportunité de demander sa citoyenneté à nouveau. Donc ce sont deux processus différents. Le plan national de régularisation, c'était un plan qui était déjà prévu dans le règlement de la loi d'immigration. C'est une bonne idée, c'est bon de donner l'opportunité à des personnes ou des immigrants qui sont sans statut ici au pays, et donner l'opportunité de régler sa situation. Au lieu de rester en résidence permanente, une fois qu'on a suivi le processus, on a
reçu un titre comme non-résident. C'est-à-dire que finalement, la plupart des gens qui ont suivi le plan jusqu'à maintenant n'ont pas eu un changement de sa situation migratoire. Pas les immigrants, mais non plus les gens qui demandaient à nouveau sa citoyenneté. Ça a annulé notre droit à la santé, à étudier et travailler. Il faut expliquer ça, c'est-à-dire que si les gens restent comme des immigrants et non résidents, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'accès aux droits qu'un résident permanent aurait normalement, comme par exemple la santé, les droits à la santé, à pouvoir étudier, à même ouvrir un compte aux banques. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe par exemple si les gens qui avaient vécu assez longtemps déjà, a fait sa vie et tout. Qu'est-ce qui se passe s'il y avait, par exemple, comme propriété de maison, comme propriété soit en voiture, soit en contrat de travail? Bien entendu que c'était déjà coupé à tous les contrats de travail, c'est ça? C'était plus valide? Oui. Et en fait, ces gens-là, les gens qui étaient déjà dominicains, qui ont reçu déjà ses papiers, son acte de naissance, son passeport, qu'il avait au travail et tout ça, tout à coup, avec la sentence, son employeur a eu le droit de les mettre au pied parce que son statut de résident, il est devenu illégal, mais illégal par les propres États. Oui, parce que en fait, c'est une des séquelles de cette phase qui définit la nationalité après le jugement de ces critères de nationalité fixe, on va dire. Et oui, ça, mais les gens qui ont perdu la citoyenneté, la première chose, c'est qu'ils sont devenus des apatrides. Donc c'est, au niveau des droits humains, c'est en violation, ils ont perdu tout. Si tu n'as pas une citoyenneté, tu n'as rien. Tu n'appartiens à aucun endroit, tu n'as pas la possibilité d'avoir un document d'identité. Tu as besoin d'un document d'identité pour faire tout, pour ouvrir, pour avoir un numéro de téléphone, pour tout ce qu'on fait. Même pour aller étudier, pour s'inscrire à l'école, à l'université, ça affectait toutes les communautés. D'accord. Oui, ça fait tous les droits qu'une personne peut avoir, tout. C'est ça, c'est que tu n'as pas une pièce d'identité. C'est ça la chose plus grave. Wale, kilewa vini we moko. Wale, wangolo. Wale, kilewa vini we moko. Wale, kilewa vini we moko. Pei a change, kilewa vini we moko. Wale. Pei a, pei a, pei a vin tombe. Pei a, pei a, pei a kangule. Fin tombe, paya, paya, paya kangule, maya gaye wa ewa, maya gaye timunyo pangwa, maya gaye wa ewa, maya gaye timunyo pangwa. Je pou joule m'goumé moué sa mal. Mettez manger l'encaïla. Je pou joule m'goumé moué sa mal. Mettez manger l'encaïla. Je pou joule m'goumé moué sa mal. Mettez manger l'encaïla. Oh, je pou joule m'goumé moué sa mal. Mettez manger l'encaïla. Maïa gaïe wa ewa. Maïa gaïe timou. Mi nombre es Rocío Barba y soy la productora del documental Si Pontiable Julie, Si Dios Quiere Julie. Y yo soy Jean-Jean, el realizador del documental Si Pontiable Julie, Si Dios Quiere Julie. Este documental salió a finales de 2015 y trata
sobre, es el retrato de una mujer haitiana que vive en República Dominicana hace más de 35 años, que es la propia madre de Jean-Jean, el realizador. Sí, es un intento de aportar rostros humanos a la problemática de la migración dominico-haitiana a través del retrato de mi madre, quien lleva más de 35 años viviendo en la República Dominicana y que ha hecho todo lo posible en su lucha por criarnos con dignidad y por vivir donde ella decidió estar. El documental se plantea temas como cuáles son esos elementos, esas cosas en la vida que te hacen apegarte a un lugar, que te hacen pertenecer a un lugar. En nuestro documental también tiene cabida el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros que el gobierno dominicano puso en marcha en el año 2014, al cual mi madre se acogió. Entonces, este segmento del film no hace más que ofrecer elementos a partir de la vida de mi madre y la propia mía, ya que yo también termino acogiéndome al plan, para que el espectador pueda hacerse una idea de esta problemática que tal vez Rocío, en su enfoque en el contexto político, pueda ayudarle a la audiencia a introducirse en el tema que tratamos con el documental. De manera muy breve, para no extendernos, decir simplemente que el Plan Nacional de Regularización entró en vigor en junio del 2014, estuvo vigente hasta julio de 2015 y a él pues se acogieron unas 288 mil personas. En su mayoría, como el 98%, son de origen haitiano, ya que representa la comunidad haitiana, es la principal comunidad inmigrante en República Dominicana y además también suele, o en gran medida muchas veces, suelen tener un precario estatus migratorio. Entonces, este Plan Nacional de Regularización fue como una respuesta del gobierno a una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2013 que declaraba que los hijos de inmigrantes sin papeles que hubieran nacido en República Dominicana no tenían derecho a la nacionalidad. Esto lo que supuso fue la desnacionalización de miles de personas y, por supuesto, dejarlo en una condición de apátrida y, por supuesto, una reacción a nivel local de los grupos de defensa de derechos humanos, pero también de movimientos dominico-haitianos, pero también a nivel internacional por parte de grupos de derechos humanos y también de organismos como la Organización de Estados Americanos o el CARICOM, que es el grupo de Estados del Caribe, de países del Caribe. O sea que toda una reacción ante una violación de derechos humanos flagrante, porque fue una sentencia con carácter retroactivo, es decir, se le aplicó a personas que nacieron en este territorio desde el año 1929. Grosso modo, decir que el Plan Nacional de Regularización distinguía eso, los que habían sido nacionalizados y los que eran inmigrantes sin papeles, y pues como decía antes, se acogieron miles de personas, de las cuales la inmensa mayoría ha recibido una respuesta que los declara como no residente en el país, con lo cual no ha venido a solucionar el problema, y además otras muchas esperan todavía respuesta sobre su proceso. Y bueno, en torno a eso irán nuestro documental como un elemento de los cuales una inmigrante sin papeles hace parte de su vida, ¿no?, cotidiana, la cuestión de la regularización de su situación migratoria. También con el documental quisimos mostrar la solidaridad y la armonía real que existe entre los pueblos, tanto los dominicanos como los haitianos conviven bien, más allá de voces de odio, campañas de odio y de guerra que lo que buscan es seguirnos dividiendo más para gobernarnos mejor, y esto responde a políticas de un sector conservador que es realmente un grupito que no responde a la mayoría del pensar de los dominicanos, no es representativo de la vida en la isla, quiero decir. Por lo tanto, con el documental quisimos
establecer un puente de construcción de una cultura de paz en torno a esta idea de solidaridad histórica que siempre ha existido entre los dos pueblos, independientemente de la demagogia o la hipocresía de ambos estados. Tanto el Estado haitiano como el Estado dominicano son responsables absolutos de esta vejación, de esta violación de derechos humanos flagrante, como ha dicho Lucía. Y bueno, nada más, simplemente decir que el documental en este momento se encuentra haciendo su tour de festivales, que ha sido reconocido con el premio a mejor documental en el Festival Internacional de Trinidad y Tobago y también en el Caribbean Tales International Film Festival en Canadá, y además también con el premio Amnistía Internacional de Derechos Humanos en Trinidad y Tobago. Así que con estos premios nosotros esperamos seguir mostrando la película, que nos sigan abriendo las puertas, como por ejemplo estaremos mostrando la película aquí en Santo Domingo, en el cine Colonial Gate, en el mismo corazón de la zona colonial, del 10 al 23 de noviembre, con el fin de seguir incentivando, inyectando el debate nacional, con el objetivo de buscar alternativas a las soluciones que ofrece el gobierno, porque hasta ahora, si por ello fuera, nos quedáramos sin valernos de nuestros derechos. Y esperamos que la comunidad latinoamericana y también, claro, la comunidad francesa en Lyon pueda ver en algún momento nuestro documental. Estamos abiertos a hacer proyecciones en grupos comunitarios o lo que ustedes deseen, así que ojalá nuestra película pueda viajar a Lyon, y para cualquier cosa se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página web www.subyumufilm.com. ¿Puedes deletrear de nuevo tu fuente de contacto? Sí. Subyumu Film es Sopa de Calabaza Films, ese es el nombre de nuestra productora, y es SOUPJOUMOUFILMS.com. On revient à Jean-Jean et sa famille, sa mère Julie. Si bon Dieu voulait, Julie. Si bon Dieu voulait, Julie. Ça veut dire? Si Dios quiere, Julie. D'accord. Ça, c'est un créole, c'est ça? Oui, si Dieu le veut, Julie. Ça, c'est un créole haïtien. Oui. On a fait les films dans le but d'apporter des histoires humaines, de montrer des regards humains. Au lieu de parler de chiffres, au lieu de parler de numéros, parce que ce sont des histoires de gens que tous les migrants dans le monde entier identifiés avec. Dans mes études de cinéma, j'ai appris que les meilleurs lieux pour aller faire un film, c'est le lieu du propre réalisateur. Alors moi, j'étais toujours comme censé d'aller et filmer la vie de ma famille. Et alors, c'est que les plans, c'est une façon aussi de montrer une problématique qui était là depuis longtemps, mais qui en même temps, les sentences sont venues pour les montrer. Alors, on a pensé que c'était le moment précis pour réinvendiquer les droits qui sont depuis quelques années qui sont violés. Ce qu'on voulait faire avec le film, et je pense que c'est ça que Amnesty International a reconnu dans notre film, on ne fait pas une analyse du plan national de régularisation, on ne fait pas une analyse de situation des immigrants haïtiens en République dominicaine dans le sens d'une analyse
politique, juridique, on ne fait pas un jugement. On montre simplement la vie d'une femme haïtienne qui vit en République dominicaine depuis plus de 35 ans et sa famille, c'est-à-dire la mère de Jean-Jean et lui-même. Et dans la vie de cette femme qui est entièrement intégrée dans la communauté dominicaine, ça fait 35 ans qu'il habite ici, qui fait partie d'une communauté dans laquelle elle est très active. Mais dans sa vie, évidemment, la question des papiers, de son statut migratoire, c'est important. Donc c'est ça qu'on voit dans le film, c'est la vie de Julie et sa lutte permanente pour vivre en dignité, mais aussi pour réussir à avoir ses papiers et un statut migratoire, si un statut migratoire, c'est-à-dire une résidence permanente ici en République dominicaine, que c'est la façon de lui donner la stabilité. Donc il a besoin pour vivre tranquillement ici ou à l'endroit où elle appartient, finalement. Écho d'Amérique latine. En train d'inscrire les films dans tous les festivals qui nous soient possibles. Alors, nous aimerions aussi l'année prochaine aller dans toutes les centres, les universités en Haïti aussi, de montrer partout où nous soit possible pour de sensibiliser les gens, comme tu dis, dès qu'il y a un problème qui est en train de passer parce que les médias, ils montrent les choses d'une façon comme, je sais pas, ils parlent des choses au moment que ça se passe, mais le lendemain, personne ne se souvient non plus que cette histoire de vie, c'est des expériences humaines, des gens qui vivent ça pendant toutes ces jours-là. Alors, c'est comme une façon d'être toujours actif. Et se souvient toujours que ça est un problème qu'il faut résoudre et que seulement par un débat généralisé et qu'on peut vraiment résoudre ce problème. C'est une histoire dans laquelle beaucoup d'immigrants partout dans le monde puissent se sentir identifiés parce que c'est finalement ça. C'est une histoire d'une femme qui vit dans un lieu depuis beaucoup d'années et qui a toujours une situation irrégulière. On a gagné pas seulement le prix des droits humains d'Amnesty International au Festival de Trinidad à Tobago, mais aussi on a gagné le prix meilleur documentaire au Trinidad et Tobago et au Caribbean Tales International Film Festival au Canada. Kile wa vini we manko wale. À l'actualité, où est-ce qu'on peut trouver votre travail, par exemple? Est-ce que vous pouvez nous citer des sources? Oui, pour l'instant, on est toujours en train de faire les tours de festivals au niveau international. En ce moment, on n'a pas envisagé les prochains festivals où on sert parce qu'on attend toujours la réponse de plusieurs festivals. Mais ici, en République dominicaine, le 10 novembre, sera présenté au cinéma. Et après ça, bon, pour l'instant, on n'a pas les films sur des plateformes en internet, parce qu'on doit suivre les tours des festivals. Mais j'imagine que les prochaines années, il sera dans des plateformes sur internet, sûrement. Et quand est-ce que vous venez en Europe? Oui, c'est ça. C'est plusieurs festivals en Europe, on aimerait bien pouvoir les montrer. Et aussi, s'il y a des gens qui sont intéressés, par exemple, s'il y a des groupes communautaires,
que quisiera interesse a organiser une projection, il peut se communiquer avec nous à travers nos sites web. Et là, on pourrait l'organiser. On a aussi l'option, on a des personnes en France qui pourraient vous contacter pour organiser des projections de notre film. D'accord. Est-ce que vous pouvez nommer ou nous laisser votre coordonnée pour les gens qui nous entendent, des gens intéressés peut-être? Mais oui, notre site web, c'est Subjumufilms. Subjumufilms, c'est le nom de notre maison de production. D'accord. Ça s'écrit S-O-U-B-G-O-U-M-O-U-F-I-L-M-S. D'accord. On remercie à l'audience de son temps et à toi aussi, Olga. Grand merci parce que c'est avec des collaborations comme ça qu'on peut continuer à lutter. Grand merci. C'est pour Guinée au Bénin. Aïe, Bongo! Radio Pluriel.